connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Plusieurs églises n'ont pas le droit d'invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à cause de mauvaises pratiques des dîmes et des offrandes. Genèse chapitre 22. Abraham a pensé qui offrande à Isaac. Abraham a pensé qui offrande. Il faut qu'on soit dans la dimension spirituelle pour comprendre que dîme na offrande. Ame makayango na maboko physique te pe bape sakayango na ndako etongami na maboko ya bato te. Actes chapitre 17 verset 24 à 25. Et Zangoli comme ya mafuta, c'est l'onction qui fait la différence. Encore une fois, na pesi bino mbote, mbote makasi koleka. Ezali mission na bino oyo. Bozora mingi ngonga ya kotala yango pe bo après bo tina na bongo ba message na bino, bo sala ka ba réaction na bino. Il y a des fois positifs et des fois négatifs. Nyoso tu wana to yambaka yango, pourquoi? Parce que tozali bongo église au milieu du village. Je vous rappelle que nous sommes en direct. C'est votre émission, les Kamboya Mafuta. Et ça, onction, ce qui est onction, et ça, païnaïo, makambu, tout, il faut que ça soit différent. Alors, la semaine passée, on a eu le temps de parler avec le pasteur Jonathan Matondo de l'église Collège pour la dimension intégrale de l'homme. Tout ce qui est bongo, na si je moko oyo, et bien, c'est que mabaku, les prophètes volèrent. Selon la Bible, le pasteur Jonathan Matondo a mekaki ko ndimbola yango to ko éclaircir na ba na zelo to na opinion to na ba téléspectateur aloba ki boyi. Na kati ya Bible na Jean chapitre 10 verset 8 ba lobi boyi Yesu alobi na kati kuna ke ba prophète nyonso tout ba miyibi. Alors pona pasteur Jonathan Matondo ba prophète tout Naba Malachie, Naba Isaac, Onga Daniel, Onga Ezekiel, Onga Joël, Ba prophète et tout, parce que Jonathan Matondo lobi, Baba voleur, Ndenge Bible lobi. Alors, vous voyez bien, mais sur ce tambour-là, il est écrit, il est aussi écrit. Mais tu sais bien, Michel Abisso, Tozaka Bongo, Moutema Mounene, pourquoi? Parce que Tozaka Wana, Sogi Boyo Kiango. To sepelite olobi na na besoin na ya penga ipe na la ki sa savoir o nzambe to révélation nzambe pesa biso par rapport ya Bible parce que mouton mouton zo interprété selon ndenge nzambe pesi ye pemela to ndenge a zui révélation ko ou te pa yi nzambe. Alors aujourd'hui et pour ça la débat moko très calme intellectuel ya ndenge ya kimia mais na yebi ki ko zala la moi tira yeme ko kota na kati y aura un moment aussi. Toko fongola téléphone pour toi café ba vina bino boko tina pe ba message. Aujourd'hui je suis avec le pasteur Jonathan Matondo. La paix papa Jonathan, bonjour. Bonjour maman Nangai Patricia. Nzambe na biso a continuer ko bate la paix ko pambola yo na musala oyo to sa na yo elongo. Nzambe a pambola balandi na biso nyoso bisika bazwami. Vous connaîtrez la vérité et la vérité de Dieu vous rendra libre. Ignorance et si la kana ba prière te. Ignorance et si la ka na ba enseignement. Na pesipe mbote na bande konangai o ba yele lopo na débat. Je pense que Nzambe a komi kumisa tout au long ya émission oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on a tozali bongo na pasteur Alonga Daniel. Te pesie mbote papa Alonga Daniel. Bonjour maman Patricia. Likambu ya mafuta, je sais que ça fait longtemps. Mais Dieu nous fait grâce, on est là pour défendre la doctrine parce que moi, je suis les réformistes, les défenseurs de la sainte doctrine. Je suis ici pour défendre la sainte doctrine parce que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, il m'a établi en tant que défenseur de la sainte doctrine. C'est pour cela que je suis ici dans cette émission pour défendre la vérité. Défenseur de la sainte doctrine. Bandit déjà. Alors, Marchand Kolo, l'homme de Dieu, n'a pas su voter. Bonjour, maman Patricia, Likambo ya Mafuta, Mafuta Will d'onction et Zorénien. Parce que ce que Mafuta est allé, et si quand on a un peu de la grâce, il est allé. Le les allé là, le Nzolé, tout des ou tout des. Vérité et Panzam. La grâce en Zam.
Un clin d'œil na équipe technique na mouvement. Un clin d'œil à Réveil Coupe Aigle, toujours présent, partout, présent, présent, Aigle. Réveil Coupe, un clin d'œil à Clovis Kayembe, régie finale. Un clin d'œil aussi à une dame de l'X, une dame patente. Elle s'appelle comme ça, Yasmine Ngoliba. Un clin d'œil à vous. Voilà. Alors, pasteur Jonathan Matou, nous n'avons pas une bande de alors, on a évité ce coquille qu'on répétait même pendant 5 minutes. On met qu'on répète les bisous le ligne parce que là qui comme ça, bah on peut pas y aller. Bah ça bibounde les gens ni, bah qu'on contredire yon ma kamokoloba. Ok, merci beaucoup maman Nangaipo na maloba. Je pense que te loba kango mi kolonyoso. Toyaka na émission a wapo na kusala ba aventurité. Toyaka koleki satan na biso pambate. Eza musala o nzambe a pesi biso, c'est Dieu qui nous avait appelé pour na ko éclairer peuple na ye, ba ye ba vérité. Oyo ezaka kana kati ya Bible na makomi ya Nzambe. OK. Thème na biso ezana ngo facile et simple. Et puis ce n'est pas quelque chose qui est venu de nous et où tu es pas na biso té. Eza sujet thème oyo to puiser yango na kati ya nini ya Bible. Et puis to pesi référence na Jean chapitre 10 verset 8. Wana eza maloba ya Yesu. Ce qui te bandit na verset 1 nde to koyoka to ko comprendre vraiment que non ezala ki Yesu nde mutabandaki koloba. Yango faute ya temps nde to tangaka directement verset o ya Jean chapitre 10 verset 8. Ce qui bandeko o bazola na biso na bisika nyo bazwami baza prêt ba kokipe ko fongola ba Bible na bango pour na to vérifier elongo. Jean chapitre 10, verset 8. 8 et le biboui. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Nabandeli, Yesune Moutou, Azoloba. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutez. OK, je pense que et ça bande comme susu oyo yambaki awa papa nangai espoir. Ba yaki na sujet ya prophétie. Oui. Et puis ba bandaki kobenga batu ba kende na ba église na bango po ba prophétiser na makambu na bango na vie na bango ebonga esimba ba ye ba lolenge nini ba koye ba ko évoluer na vie na bango. Nde to lobaki boye. Ba matéya nyo sowana eza matéya ya ba miyibi, eza matéya ya bandoki. Pourquoi? Ba yaka ko sa la publicité na église. Boya toko prophétiser boko mona. Mais soko kye na ba église ya batouana bizarrement, maman nangaye. Oui papa. Oko kuta bato ba bala kate bazali. Bato ba bota kate bazali. Bato baza ba chômeur bazali. Ba kenda pe l'église wana kala koleka yo. Bon, comment ka yonde okoya sima na bango ya yo simba bango bayaki depuis kala wana profession pa na bango ezwa ke sikate. Miracle yango pa na bango ezwa ke sikate. Non. Wana ezaba stratégie ya koyibela bato. Nde tozonga ki sikoyo na mukanda o ezoloba que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Yango tosangi saki na ba prophète na ba missionnaire oyo nyonso bayaki avant Yesu balobi tous ceux qui sont venus eza tous celité na ba Jésus balobi tous ceux qui bango nyonso balongoli ata moto mon côté ata olobi non nga na tambolaka na esprit ya Eli lokuta Eli aza voleur nga mutu nalobi yango te bibele bango nyonso okay, oyo yebi ba missionnaire oyo basalaki musala ya Nzambe na Ancien Testament oyo bayaki avant Yesu eza makambo yuti na poche na ngai te. Yesu alobi bango nyonso baza banani ba voleur. Ezala Moïse oyo yakenda kobimisa bana ya Israel na Egypte. Yesu alobi yepe aza na liste banani ya ba voleur. Eza la nani oyo yo yebi Josué nani miracle nini oyo asalaki bango nyonso baza banani ba voleur. Sikoyo neto lobaki biso tozo continue musala ya Nzambe. Faut-il continuer ya coopérer comme ba voleur ou biso esengeli to changer façon ya nini ya kosalela? Soki toza
ba prophète. Est-ce que ba prophète faut-il continuer à prophétiser comme ba oyo bazala qui taxé des voleurs ou ba yaki avant Yesu ou bien il faut tomber la différence? Sont au moins une différence, c'était. Il y a des professeurs, plutôt des prophètes qui continuent à prophétiser qu'on l'indissa manalo lenge ya batu ya kala. Toko kele par quatre chemete. Bazami yibi. Pour différence à ta moko, tomonite. On prophétise pour la vie ya moutou. Okozwa libala, okozwa moussala, okoko manani. Bisoto yebi, ozo prophétise loko la batu ya nini ya kala. Ce qu'on peut faire, c'est la différence entre votre façon de prophétiser les lots. Na oyo ya batu ya kala ba benga ki bango ba voleur nde to kolongolo na liste banani ya ba voleur. Je pense que c'était ça introduction puisque zalaki na introduction ya thème na biso wana ndenge to mekaki kotambola na yango. C'est l'onction qui fait la différence to kala malamu. Pasteur Jonathan Matondo alobika ka makambo e koma mina Bible. Alobina Jean 10 8 to tange longo. Ba prophète nyonso, yeza la yo prophète ozo talanga na ndako, oyo mide nga kanga na denation, onga de fe, onga de fa, soki kaka oza anime, tozo landi sa, lo lenge oyo ba prophète akala, oyo prophète Elia lo baki, bobi ma boke neboye, yo pene mulongo wana, muyibi, na kolo batia yana na journaliste, natika na katikati, papa, nazonge pa ina yo. Merci maman Patricia, likamba mafuta, alors na laninde ko na bokebi tellement makasi, j'ai compris que mon frère il a un sérieux problème d'interprétation. Ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris, mon frère il a un sérieux problème d'interprétation. Je pense même il n'a pas même fait une formation classique et basique de la théologie. Parce que quand Jésus dit tous ceux qui sont venus avant moi, tous ceux qui sont venus avant moi, il s'agit de qui? Jésus s'adressait de qui? C'est ça le problème. Parce que la Bible contredit hier. Parce que quand il a dit tout ça, a englobé tous les prophètes de l'Ancien Testament. Non, papa, il a englobé les prophètes du Néo-Testamentaire. A commencé par Adam. A commencé par Abraham, Moïse. Tous les prophètes du néo-testamentaire, lui, il les a traités comme des voleurs. C'est une aberration. Pas lui, là, il a dit, non, 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 il a dit ça dans non, la Bible. Mauvaise interprétation, il est victime de Matthieu 22-29. Vous êtes dans l'erreur. Vous ne connaissez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. C'est pour cela, c'est pour cela, Osée 4-6, la Bible dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il ne manque pas, il manque la connaissance. Et lorsqu'on dit bosson de Seigneur Ayeba, na quatre Bible, nous avons un seul évangile, mais ils ont interprété dans quatre dimensions. Première dimension, la prophétie. Deuxième dimension, la doctrine. Troisième dimension, la révélation. Et quatrième dimension, la connaissance d'après 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Alors, Matthieu, au hasard, le prophète, il y a un testament, baza miyibi. Alors, j'entre maintenant sur la loi de la première mention. Pour la première fois dans la Bible, mon prophète est allé appliquer ou utiliser on zamba benga mutaliboso prophète la Bible, c'est Abraham. Genèse chapitre 20, le verset 7. Je vais lire ça. Genèse chapitre 20, le verset 7. Genèse chapitre 20. Le verset 7. J'ai lu. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Awa, Abraham s'est retrouvé dans le pays à Guérar. Alors, roi à Guérar, à Ozaki, à Zoa, Sarah, moi aussi à Abraham. Ndenzamba frappa qui Guérar, Nanda Mombana, hémorroïde. Ndenzamba et ici Guérar, Kende pa ya Abraham aza prophète, ensemble la pona yo. A traité Abraham aza voleur. Or, selon la Bible, les voleurs n'hériteront pas les royaumes des cieux. D'après 1 Corinthiens chapitre 6, je vais lire ça au monde à Sigab Mamoutalokuta. 1 Corinthiens chapitre 6, ma commis. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ne vous y trompez pas, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas les royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les femmes, les infirmiers, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, Bible le Bible miyibi, bon côté au royaume des cieux. Je vais maintenant lui démontrer que Abraham a côté au royaume des cieux. Ce qu'Abraham avait Moïse s'est retrouvé dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 8 verset 11, témoignage. Abraham est sorti là. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, Abengi Abraham miyibi, mais Moïse a côté là. Après peuple la bimi bon côté là té. Mais hier sur le baquet, Abraham a côté là. Miyibi bon le aibi miyibi en a té, on démontre que ça miyibi en a té. Oyazo kanisa. Matthieu chapitre 8 verset 11. Yoka témoignage à Jésus a traité Abraham Moïbi. Matthieu chapitre 1. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Abraham, il y a bien Abraham Moïbi. Abraham, il est sur le bas dans le royaume des cieux. Il y a une dans la mauvaise interprétation. Bible était. Il y a une dans la mauvaise interprétation. Non, maman Patricia. Non, la mauvaise interprétation. Il faut l'andakour, il y a herméneutique. En andakour, il y a herméneutique. Il y a interprétation. Malheureusement. Il y a une interprétation de ma mère. Ce sont les pharisiens. Ce sont les pharisiens. Des pharisiens et des scribes. Des bazaki. Ce sont des pharisiens. Des scribes. Des faux prophètes. Des faux pasteurs. Des bons traités. Abraham. A continué le bénin Moïbi. Malin de papa. Oh là là. Ok. Merci beaucoup. Je pense que dans le bac à Mikolonioso, dans le temps que les églises sont belles, formation biblique, je fais la théologie, et dans le bac au-delà, dans la théologie, dans l'université, Oyo Yesu Atanga. Et ça, c'est Jean chapitre 8, verset 28. Théologie Yesu Atanga. Dans une même université. Même université. Ok. Nesika okay. Na sala ki théologie Moussous. Ok. La différence c'est que tango tozolo bela la parole de Dieu. Ceux qui oyoki na nelo ko mutalobite, zalana ba réserve ya ko sala nini? Ya ko poser ba question, ya ko présenter réaction na yo. Ça va? D'abord, yo okomi ko sungaye à comprendre que ezanga mutuna lobite mais c'est la Bible qui a parlé de ça. Mais nakolobanaye alingi attribuer yango lokola epanangaye. OK, OK. Donc il faut comprendre déjà que ezaba église o eza musika la vérité ya nani ya Yesu. Po église o ezo boya makambo Yesu alobi. Eza église ya Yesu te. Voilà pourquoi la Matthieu chapitre 7 21 bazoloba ezate batunyoso bako simba Bible. Batunyoso bako sala ba démonstration miracle o bako tanga komo ya Nzambe nde bako kota na lola. Bango nyoso te. Batouana de Bangoyo, baza l'église ya Yesu te. Comment toi, serviteur de Dieu, ozo lingasikoyo, ya ko attribuer parole de Dieu et pas ya moutou, oyon di bateza li komi ya Bible. Mais est-ce que voleur ou anon zama lobe? Problème est zate. Problème est yoka. Problème est zate d'abord. Makamazo loba, azo ye ba yango te. Oui. Totanga na mukanda ya Jean chapitre 3, verset 13. Jean 3, 13. Ok. Jean chapitre 3 verset 13. Nous avons des numéros. Nazo numéro. Nazo appeler. Nazo démontrer yé. Omoni problème est ça boyé. Oui. Tous à la bateau maïle. Boyé bolobi boyé qu'on contredit. Il faut que vous allez en hauteur. Ce qui m'omoni vous okoka débattez. Vous êtes en phase y a qu'on contredit. Puisqu'il y a d'autres personnes bah y a kaka. Oba mon abino. Papa Jonathan. Ok. Jean chapitre 3 verset 13. Akolobaka verset outi panangai. 13 bolobi boyé. Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Balobi, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Yesu alobi, personne n'est monté au ciel. Okay. Donc, koya na connaissance na ya ndambu ya mukuse se face ya mutoyo azote ya makambo o eza important et comme ça va tonani na ignorance. Ça va? OK. OK. Donc problème est abo. Bible na Jean chapitre 3 verset 13. Et le but personne Yesu mutauti na lola. Personne n'est monté au ciel. Donc kolinga o
o salani o tie la Bible malobate oyo ya lokuta balobi promesse non attendi balobi ils hériteront alors bate que non bakoti na lola déjà ngala zie le belina lui azad déjà or Bible dit azad kuna na noté balobi ils hériteront avec les saints Esa promesse et puis surtout que na Hébreux chapitre 11 na verset 13 Bazoloba, Balobi, ils sont tous morts sans avoir obtenu ma promesse au Zambé à Pesaki Bango. Bango tout. Bango tout. Balobi, ils sont tous morts. Kaka tout wana bango nyoso. Bakoufi bango nyoso. Mais quand Bakoufi wakil le. Non, Balobi, ba, promesse wana na vie na bango koki sa nina noté. Mais Bakoufi. Donc, à la maîtrise, il y a Makambo et à Zoloba. Ayate ko déranger batou na émission na nini te débat na bise zali sur les prophètes voleurs. Abraham c'est un voleur selon nani selon Yesu selon Gaïté. Ça va Esa versé ou tipa na Gaïté. Pourquoi Abraham aza taxé des voleurs pour Ezo salayo nini pas si mine toke na Jean chapitre 8. Ok, problème, c'est que nous avons dit contredire Ngaï. D'abord, pour le sujet, nous d'accord que le prophète voleur Bazali. Et puis, ces prophètes-là, ils ont mon côté, ils ont catégorie, ils ont de vie. Nous avons démontré que nous sommes dans la Bible. Ok. Nous avons dit, Jean chapitre 6, nous avons démontré que Abraham n'avait pas de vérité katikati na ye. Yesu alobi, vous cherchez à me tuer aujourd'hui. Pourquoi la laxibino vérité, vérité wana oyo Yesu ayaki na yangote. Tokotanga versi wana sima. Ok. Ok. Si qu'on a lingina porté correction, oyeza en tout cas de très délicate par rapport à sujet nabiso. To changer makambo Bible lobité. Tu parles de la compréhension et moi je suppose que c'est toi qui a du mal y a qu'à comprendre la parole de Dieu. Ça va? Ok. Jean chapitre 10, verset 1. Jean 10, 1. Oui. Bible et le Bible. Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous l'ai dit. Ça va? Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et brigand. Ça va? Un voleur et brigand, c'est qui? Et ça, mouto yo, qui entre par ailleurs, qui ne passe pas par la porte. Donc, yo ko définit ce voleur, théo ya yo na compréhension na yo. Moi, je suis dans la Bible. Comme ça, dans le contexte, yao et l'autre, dans la zone, ya te. Un voleur, c'est tout celui qui n'entre pas par la porte ou à zokota par ailleurs. Je ne sais pas que c'est un deuxième élément. Il faut la fixer bah, bien pour pas le lenga pour contredire. Vas-y, papa. Libandate. Baza suffisamment attend ce qui va kokoka. Et je sais que va kokoka a contredit et l'autre nous sommes dans le bas. Dans le bas, on a versé Nabiso 8. Dès qu'on a dit, tanga et pana et toyo kana très bien. Maman, tout ça, le débat est à Batomayele. Nabandeli. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ça va? Mais les brebis ne les ont point écoutés. C'est-à-dire, ils ont bato yo ba yaki na mission yanzambe bato ezamba ba pesa ki mission yakobi ki sa ba brebi. Ce n'est pas une partie ya bato. D'abord, eloko wana oyo posé wana, c'est erroné. Correction la Bible ya moko tout cela, ce sont les gens o nzamba tina ki pona yakobi ki sa nini ba brebi na ye. Donc c'est tout le monde qui a précédé Jésus-Christ dans un voleur et brigand. Yo, kopé sa biso ba explication erronée na yezo ou ta na pochité. Na ko démontrer nion son akati a Bible awa pour comprendre que za bango nion son yo ya ki liboso ya nani, liboso ya yezo. Merci. Te yezo azala ki na raison. Merci pasteur Jonathan Matondo. Na pesi maloba e pa ya mâchoire en colo. Merci maman Patricia. Li kama mafuta nzamba pambola yo. Na Jean 10 yo na kaka. À partir du verset 9. Vous réveillez ou pas? Jean 10, verset 9 à 10. Tina 11. Jean 10. Jean chapitre 10, verset 9, 10 à 11. Je suis la porte. Abi Nazali porte. Si quelqu'un entre par moi, soyez mouta kotika sera sauvé. Alors ça l'a sauvé. Il entrera
akokota, sortira, akobima, et trouvera des patriarches. On a Yesu Masia Zoloba. Tant que l'obi, voleur, Azoloba par rapport à l'enseignement diabolique. Parce que la lettre tue, mais l'esprit qui vivifie. Azoloba pour na bateau, bazakil bosonaye, au bateau, yagi maramonete baso, mais ma trouble. Mais tant que l'obi na Jean 10, verset 9, Abi Moutan, au côté de Pana, vous allez sauver. Donc Moutan, dit, mais Yesu Masia, vous allez sauver. Vous allez sous voleur, t'es. Na Jean 10, 10, Albini. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, gorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Amen. Qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Moïse, il y a un peu de détruit, de gorger. Mais le bia, il y a un peu de détruit, mais ça, Satan, pour ne pas tenir pas en abo, n'a pas moi. La vie éternelle. Dans Jean 10, 11, alobi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tant que vous avez voleur, c'est le diable dans Jean 10, 10. Tant que le voleur vient pour détruire, égorger, c'est le diable en personne. Surtout que dans Jean 8, 44, alobi, bozo ça la volonté à Tata Nabino, parce que Nebandeli, Azaki n'a qu'à un mensonge. Azaki maîtrisé. Azol banatina ya ba faux. Ba faux ou ba ya ki boswana. Ba faux monde ba nani nde li kambu. Est-ce que c'est Joël? Ba te. Est-ce que c'est Zacharie papa? Au moins dans l'Ancien Testament. Bible bi Galates 3 verset 11. Tonga to la justifier na loi ti. Mais nous sommes sauvés par le juste ne vivant pas par la foi. Galates 3 verset 11. Donc on doit la justifier dans la loi, mais le juste vivra par la foi. Donc, en Jean chapitre 1 verset 17, Moïse a dit la loi, Christ a dit la grâce et la vérité. Donc tout ça, dans un moment, il y a grâce, une année de grâce. La grâce, bato ba koti bandime lié sous ma sire, selon Jean chapitre 1 verset 12. Bandimi na kombo. Pardon, ma soeur en colonne. Donc Clovis, Ezali na téléspectateur, moi, quoi, comme il dit, biso. Et depuis Kimba Seke, Ndeko Junior à l'obi, Maman Patricia, on a zo en abu, non, son, et zo bima, malamou mingite, mega kota la kote wana, malamou koleka. Bandeko, vous avez fait un peu, bon, ma casse, pour, bandeko, ma kote la biso, bah, la biso, malamou. Merci. Au moins, quand de tangi, hein. Albi dans Jean 1, verset 17, à l'obi, Moïse a dit la loi, il est sur la grâce, puis la vérité. Donc, au moins, la loi, tout ça dans la loi, dans la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que tant que le but est que les brigands sont volés, les brigands sont enseignés démoniaques et sataniques qui sont détruits. Il y a des pharisiens dans Matthieu 23, il y a des malheurs pour les pharisiens, les scribes. Bagi bato bandote ya bato me ba osale la maloba na te. Ndemo na bengi ba o ba ya ki ni boso na nga ce sont des brigands, des voleurs. Parce que l'ancienne alliance, bandage de la rédemption, même dans Moro Bakoufaki. Sont tout dans Matthieu. Matthieu 27. Au moins à 50, à partir de 56-52. Bandage de la rédemption. Tant que Christ a koufi, avec au sa bango la rédemption. Bazou la rédemption, la vie. De mon avis, errer ce qui meurt dans le Seigneur. Bah, on va confier dans le colo. Mais qui la rédemption. Naïra, c'est ça. C'est ça, papa. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Il dit bah oba kufi kat na Yesu. Tant le son de la trompette de Obeta. Bah mort en Christ bah ko sekwa pour na kumata. Mais elle bah kotidi. Bah ko sekwa pour na kumata na paradis déjà. Bah déjà. Même bah Abraham bah ça paradis. Bah déjà. Bah qui la lieu de repos paradis. Ok. Tu vas zonga pas na yo. Papa Jonathan Matondo avant zonga bongo pa papa Daniel. Merci maman Nangai pour na maloba. Aux autres sentir que ils ont un peu le sous débatté pour battre le bas supposé qu'il y a qu'on contredit baso qu'on kata qu'on contredit naïlo qu'on moko te. Je ne suis pas contre les prophètes. J'espère que ça va. Ceux qui au total dans mon canal Ephésiens chapitre 3 verset 5, nous avons les prophètes de Jésus Christ, pas prophète Bazali n'a pas eu bangoté sauf que tous ont condamné. Et ça, les lits, ma pratique, puisque
Et ce sont les mêmes pratiques au bateau. Le prophète à Kalabasali Nini, Basali Laki. Est-ce que ma condamné qui bango pour bango? Ok. C'est ça. Yé soutan aye. Alobi bango nyoso wana. Eza l'Abraham. Eza la Moïse. Eza la Jérémie. Eza bango nyoso. Baza ba voleur et ba brigand. Pourquoi? Il n'était pas entré tous par la porte. Ma kota qui n'a porte été. Ça c'est la réponse de la Bible. Tu parles de Satan comme voleur. Et si quand il va le Satan a. Les voleurs de Yoka, compréhension dans les abords. Dans le même verset, même chapitre. Balobi, le voleur, c'est celui qui entre par la porte ou bakotinanini. Plutôt qui entre par ailleurs, bakotina porte. Et ça, c'est selon la Bible. Balobi, tous ceux qui sont venus avant Jésus sont des voleurs et des brigands. Pourquoi les brebis ne les ont point écoutés? Basala qui moussala en zambé ndenge et senge li te. Nandenge pas tu koloba awa autrement que enseignement ou bayaki nango, et ça qui enseigne. Maya, il y a bien été. Ce qui te comprend dans le sens où on a. Bah, pratique au bango, bah, ça la qui. Puisque quand on t'enseigne, on doit pratiquer, non, après avoir été enseigné. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Parole de Dieu, soubaka na koyo kate. Parole de Dieu, zato yo ki pe tosa nini, tosa leni. Na yo keli, na kosa lela, ya bango nyo soana, ye sunde alobi baza ba voleur, pe ba brigand. Sikoyo, batu nyoso obiso le loto ndini ko continue kosala musala ya nzambe. Soki pe tozo continue kosala yango lokola kaka bango tu, changement ezate, différence plutôt ezate na ba pratique na koteya na nyoso. Biso pe siko toza considérer lokola ba voleur pe ba brigand ndenge moko na bandeko wana. C'est ça et loko nga na koteya na plateau. Boye ndena nini na loba. Mama na ngai. Oui. Toke Namukana ya Jean chapitre 8 verset Jean 8 verset 40. Ok, Bible lobi boy. Yesoube mutazolo bakaka. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, c'est là Abraham ne l'a point fait. Maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de qui? De Dieu. C'est là Abraham ne l'a point fait. C'est-à-dire, même Abraham, il est un voleur. Et ça m'a dit que les gens sont dans le bas. Je ne suis pas là pour t'enseigner ma camboisie la nini. Toujours ça la débat tout autour la nini. Yaba prophète voleur. Ceux qui n'ont la raison na thème. Bon le bâtiment de Konabiso, osa la raison na thème osa co développer. Et si vous n'arrivez pas, il y a pour déceler comment ces gens sont taxés de voleurs. Vous savez pas dans la scène. La fondation n'a expliqué, il n'a enseigné, il non. Merci. Bon, il y a pour contredire, bon contredire naï. Yes, on le dit, Abraham aza voleur. Pourquoi Abraham azala qui n'a vérité t'es. Yes, on qui n'a vérité moussous ou Abraham azala qui maman naï. Azala n'a dit plus au côté la bas. C'est là tous à la cohérent. Oui, là, donc ça va faire la minute. Tous à la cohérent. Si quoi, yoka vérité mini oyo. Abraham azala qui n'angote. En tout cas, nazala katia Bible. Nazo tanga la verset nyo sur la katia Bible. Attends beaucoup je vous t'en approche n'angate. Tanga Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35. Pour la raison, attends, on a que tanga kaka 35. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35. Ok. On a tangi 35. Bible le Bible, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde.
Au monde est autant dans la Genèse 1-1, depuis la création du monde. Mm. Oh, il y a Métiko Simbana, Jean, chapitre Jean 8-44, mm. qui a été métier dès le commencement. Mm. Le commencement dans Jean chapitre 1, verset 1. Mm. Plutôt dans la Genèse, chapitre 1, verset 1. Oui. Au commencement. Dieu créa, non. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu salobi bouye, pardon, tout qui est malin. 35e verset, il y a chapitre 13. Mm. Afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, oui. j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Depuis qu'on a créé le monde, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui. Ça va? La terre était en forme vide. Mm. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mm. Yes, soit le Bible, oui. Yesu a benga ki batuwa renyo so basa ba vole wa biga alobi boe. Mm. Le sio na nini, na terre, na mai, na biloko nyo so o bazolo ba ao. Bazolo belango na sens ya biso materiel physique boye te. Spirituel. Hein? C'est so, nga te wout na lobi. Mm. Ce sont les choses cachées, c'est quoi les choses ni. A lui, ce sont des choses cachées depuis la création du monde. Mm. Si quoi yo elgi ko lo ba boye. Oui, papa. Moutignon soyo asima ka Bible. Atangi au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Au souti na ko comprendre terre ou ya terre physique. Ciel ou ya ciel physique to monaka. O yamana no Yesu na vie na yote. Oza prophète ya Yesu te. Oza voleur pe brigand. Po oti na porte te. Ezalaka biloko physique matériel boye te et souki na compréhension biloko physique matériel boye te soki bino ndenge bozawa boyebi bote yaka Genèse 1-1 na forme physique matériel boye bozo continuer ko sala musala ba voleur na ba brigand ndenge ba Abraham ba Salaki ba Moïse ba prophète nyoso o ya kalawana ndesika tozana kati ya Bible ya ngwana siko boye ko contredire ngai. Merci maman Patricia. Nazo continue toujours Koloba. Mon frère, il a un problème d'interprétation. Malgré tous les versets que nous avons dit, n'a pas ces exemples. Tu veux continuer comme Genèse au commencement. Il s'agit de quel commencement? Parce que et c'est une ligne de quoi ailleurs. Non, ça n'est pas un ailleurs. Dans les 10 minutes, la suggestion, tous ont appel, hein. Quand même, bah tous ont appel en contact, na bande de quoi côté la biso. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct. Oui, je suis maman pasteur Aline Koukou. Oui, ma papa pasteur. Oui, merci beaucoup maman Patricia pour l'émission Samba Pambola Bino. Amen. La zone est vraiment. Et là, il faut d'abord, ça va te réagir à son abyssot. On a la difficulté à pour l'endapon à son. La zone comme il s'en zambé pour à l'obiwete. Batonion se haut yenzambe à Kelaki Bango na Lilingi na yenzambe. C'est-à-dire, Batonion se zambé à Kelaki Bako Kanaki. Nzambe a pambola mosali ya nzambe Jonathan Matondo parce que na lobby na ye na lobby eloko kaka tellement na kati na ngana benga na intervenir ngeloko ye pe ya lobby. Amen. Na bandi émission na moi katikati na ebi vraiment titre ya bandeko oyo bazo sala débat na pasteur Jonathan T. Baza ba pasteur. Mais néanmoins, baza ba pasteur. OK, merci. Néanmoins, eloko na linga ki na intervenir ya yambo ezaka kalikambu ya promesse. Oh, bango ba lobby, ba bango ba tangi promesse, or ce n'était pas la réalité. Ba prometa ki ba prophète wana ba kokota, maintenant nous ba kota ki te po Yesu mwana nzambe, ayeko confirmé en Jean 3. Donc, moutou moko ko abata ki na lola te, so ke zaka ka Yesu te. Merci beaucoup. Ça c'était de 1, c'était la promesse. Yami balé, et l'or otozali ko lobe la, dikambo ba prophète voleur, et zako na pratique.
lolenge na bango akosalela nezo bimisa bango miyibi eloko moko ya yambo ezali bakotanga yango mpe na Joel 2:28 nani esengeli azala prophète koke bandima ye azali prophète ya solo aussi longtemps bango bazo respecter catégorie wana te ya kozala prophète qualité wana te eke bami bengi ba prophète nde yango bazolenga mama miyibi donc on doit la suite émission totalement la Biblia to comprendre yango to pesa mayele na biso te mais to bimisa nde mayele ya nzambe ezala kati ya Biblia. Merci beaucoup pasteur Aline papa na zongi. Merci maman Patricia na balé ko beta c'était likambu ya mauvaise interprétation. Pour continuer na début na j'ai commencé par 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. J'ai parlé de un seul évangile mais qui est interprété par quatre dimensions. Oui. Nous on peut interpréter un verset de la Bible dans la dimension de la doctrine. Oui. On peut interpréter un verset de la Bible dans la dimension prophétique. Mm-hmm. On peut aussi interpréter un verset de la Bible dans la dimension de la connaissance et de la révélation. Mais par rapport à la sainte doctrine, d'après Genèse chapitre 1, quand on parle au commencement là, il s'agit de la création. Voilà, selon la doctrine, la langage doctrinal. Très bien. Là, c'est la langage doctrinal, création, libération, les créations invisibles. Parce que la Bible, on a trois créations. La création invisible. Et la création autosomonaboué. La nouvelle création, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, dans Zongina Likambuya, Jean chapitre 3, naïe, verset 13, personne est monté au ciel. C'est bibliquement, c'est vrai, c'est 100% vrai ce qu'il est en train de dire là. Mais lui, il n'a pas compris ça. Comment? Quand Jésus dit personne est monté au ciel, première raison, le ciel était fermé depuis l'Ancien Testament. Le ciel était fermé. Mais tout à l'heure, on a dit qu'il y a un compte qui est là. L'évangile des amours, les âmes interprétées dans quatre dimensions, quatre langages. Langage, c'est le bosso, la doctrine. Et l'autre chose, le Jean chapitre 3, c'est la doctrine. Mais toi, qu'est-ce qu'on a révélation, Jean 3, révélation, dans Jean 3, naïe, verset 13, personne n'est monté au ciel. D'abord, il faut comprendre d'abord ciel et anime. Papa, le bas, quand il faut ouvrir le ciel. Alors, quand Jésus disait personne est monté au ciel, c'est parce que le ciel était fermé depuis Genèse jusqu'à Malachie, même avant Jésus à la croix, le ciel était fermé. D'après Romains chapitre 5, verset 12, le premier homme Adam a péché. Lorsque Adam, le premier homme, il a péché, le ciel était totalement fermé. C'est pour cela, verset, on en a doctriné celui personne est monté au ciel. Na moment même nous surtout bah prophète nous il y a vétéro testamentaire bah Abraham bah Moïse bah Matthieu quitté mais lorsque Jésus est mort à la croix Bible le dit le voile il y a lié très saint et fais-moi maquis accès maintenant il y a comme matanalol et fais-moi maquis lorsque Jésus est mort à la croix accès porte fermée, mais selon la doctrine, quand Jésus parlait, personne n'est monté au ciel. Ah non, le bras d'abord. On a eu papa. Parce qu'il y a un peu ça, ça va comprendre un autre. Il y a un peu de sur la Le prophète volait. Il y a un peu de la fenêtre de l'île. Parce qu'on a un peu de la fenêtre de la fenêtre. Il y a un peu de la évangile de Zaka comme mon port. Mais tu peux interpréter en 4 dimensions d'après 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens 14, verset 4. Tu peux interpréter en doctrine. Ma cambo a un peu de doctrine. Et Selon l'herméneutique interprétation, par rapport à une interprétation, selon le contexte. Et ça, un jour, le bilanan ou banani, avant de côté ça, nous avons tous de côté ça. Nous sommes d'accord, naïe. L'enseignement, on le nous a fait sa maman, ben, il y a maman qui a ma fausse prophétie, et ça peut aspect mon sous-sous, il y a ma voleur. Mais là, il y a tout qui a dans le contexte.
texte, quand Jésus a dit tous ceux qui sont venus avant moi, abandonne pour s'adresser à la banane. Abandonne pour s'adresser à la mémoire. Abandonne pour s'adresser à la pharisien, n'a pas cible. Bazaki va voler. Abandonne pour péter sa masséluma et ma bé. Bandon terre ma cambo et zali à ma bé. Osona na maman Patricia. Na série sur la comment c'est sa pensée là. Sa pensée rapidement papa. Ya mona ye ko loba na ebui. Lo les aki ya ko kangama. Lusumu o Adam asalaka et kangaka lola. Ba Eli ba Moïse ba kota kana nte ba bande ko zila la rédemption. Si ko tangu Yesu akufa remarquer voile il y a lettre c'est accès à qui fermé le souverain sacrificateur il n'y a pas de côté. Oh, le véritable souverain sacrificateur Jésus-Christ, lorsqu'il a fondé l'Iango, il a dit la maquinoua sofa qui porte aux alubico, il s'est le fondé, porte à le saint nini, il fondé. Verset Jean, chapitre 3, verset 5. Toi, tu as la macanicité que tu as cité. Si tu as déjà Jean, chapitre 3, verset 7, toi, tu as la macanicité. Déjà, nous sommes les salamas qui tout est d'accord. Merci beaucoup. Papa Jonathan, la zone est pas là. Allez-y comprendre. C'est le débat. Merci beaucoup. Je pense que. Dans mon décoisoloba, ma camouille à compréhension, moi je réalise que c'est lui qui a pleinement la difficulté à comprendre thème ou tout ça qu'on abordait. C'est ça. Il s'écarte même nanani ya thème. Excusez-moi, le lobby est belé, le lobby a été le côté. Bible et lobby, personne n'est monté au ciel si ce n'est le fils de l'homme qui est descendu. Exactement. Peu importe ma sous moto salaki, ce qui on dit même Yesu, nyoso eza effacé. Obiki sami, pe okomi candidat pour la qualité nini, le royaume de Dieu. Eza ta la vexé mon côté, au pèse qui Abraham a continué là. Eza te. Eza te, tu n'as pas encore la télévision. Pe ozo le bas, ozo vibré, ozo vociféré, ozo katia, ozo le makambaso, ozo kosa. Eza bisto nyoso ndena ba maman, denge toza lilo. Et ça, c'est que nous continuons à soumouka, soumouka, ndé, kokota, non. Yesu makila na ye, etangaki, pour na kolimbi sa ma soumou, ya moutou nyon so ya mabe, quelle que soit gravité, ya dega na yo. On va te faire voir. Pesa version, puis que non, Abraham a koti na yo. La tique, elle est au temps, Moubimba, pesa la version, Abraham a koti. Attendez que vous avez une dimension. Si vous avez une dimension, Bible est au cours de l'interpréter la quatre dimensions. Ma dimension Nyosorana. Ils ont résumé dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Balobi, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce qui ôtei batou, selon la lettre, au bonni batouana, pour teibangonini, la lettre.
Donc, ils ont la dimension de ce bateau de Bawana. Ils ont la dimension selon la lettre T. Je ne peux pas prouver la Bible T. La Bible est dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 et lobby. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de quoi? De l'esprit. Non de la lettre. On refuse que nous puissions pratiquer et comprendre la Bible selon la lettre. Baboi yango. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Baboi yango. Donc même des mots ils ont la dimension et doctrine, ils ont la dimension autre que Kenango. Ça ne sera pas la dimension selon la lettre. Quand on a besoin de la poche, j'ai donné un Corinthiens chapitre 14. Est-ce que nous avons yango? N'a pas été, nous avons corrigé si nous avons souvent comprendre que dimension nous sommes le bawana. Moi, excusez maman Nangai, ma dimension nous sommes là, biblique. Et puis dimension nous avons le bela awa. Il faut éviter ceux qui nous ont le quelle dimension. Pour on tout la quitter, on y est car on peut. Parce que tu es lié. Excusez-moi. Nier en route. Toi, tu es malin de papa. Papa Nani. Nazo protéger papa Jonathan. Excusez. Bango bazo katakata. On attend on va protéger Bebino. Bazo katakata. Si ça papa. Ngai ceux qui bazo le bazo katabango te pour nazan la maîtrise na makam nazo loba. Si ça papa. Problème ça sousouté. Les prophètes voleurs ndenge to développer ao. To pesi mukanda Yesu ali bango nyoso bazaba voleurs pour baye baki vérité. Oui, vous t'inquiétez pas, ya tata, t'es. C'est quoi la vérité? Totangi en on a Matthieu chapitre 13 verset 35. Malobi Jésus est venu publier les choses cachées depuis la création du monde. Tu me parles de la compréhension, il y a la parole de Dieu. Malobi Babylone qu'on a et bon baba qui depuis la création du monde. Tu vois création du monde de Bandi na verseni. Création du monde. Oui. La Genèse 1-1. Oh, bisoto tanga kango la Genèse 1-1. C'est là où Dieu a commencé à créer. C'est quel monde là? Yokanano. Moi, c'est pour cela. Moi, nan nan amené na compréhension. Quand nous allons dans le monde, expliquer dans tout le monde ni le cosmos, tout le monde. Bon. Le cosmos. Problème des abouilles. Tout le monde. Le problème des abouilles. Ici, je ne suis pas venu enseigner quoi ça? La géographie. Je ne suis pas venu enseigner l'histoire. Je suis venu enseigner la parole de Dieu. Mais dans la Bible, il y a histoire. Et puis la parole de Dieu que j'enseigne aujourd'hui, Eza et Yote, Eza et Yete, et où tu es pas à Yesu. Je ne refuse pas. Yesu à l'obi pour Yesu. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. La paix si Yesu, c'est pourquoi Abengi Bango va voleur et bah brigand. C'est parce que tel que Abraham. Ayeba qui vérité te yamakambo et bon mami outana et bandeli. Yesu modèle na biso tozo landa. Atangisa kibiso déjà ou atangisa déjà biloko o eza caché kobandana création yamokili. Or création yamokili et bandi na Genèse 1-1. Totangi awa, Yesu de moutalobi zangate. Alobi, ce sont des choses qui sont cachées depuis la création du monde. Si on a koya o na ti côté ya awa na ye na na nini na mérité na ye na nourriture solide pour na relaxer que le binonyo so o yo bozote à la Bible selon la lettre boza banani ba voleur pe ba brigand Yesu wa nde muta poser dimension yo ko tuna ma kambo dimension c'est la Bible qui a parlé et c'est la parole de Jésus o ya za modèle o na ye côté ya awa et outi na ko shangaité Yesu a le Bible il est venu publier les choses cachées depuis la création du monde. Amen. Donc ce n'est pas selon la lettre où Yesu azolo baao. La lettre c'est la cachette. La terre au tombeau na koto c'est la bilanga za cachette. Si vous voulez cacher comment? Moi si au tombeau na bilamba au tombeau na est-ce que za caché? Au voulez cacher comment? Toi qui dis que nous avons la compréhension ya malamu. Si vous comment au livre de la terre physique selon la lettre za chez za caché. On se contredit même la vérité au lieu soyez qui nango. Merci. Souci nanga yeza, si na ko bimisa bino ko bimana groupe ya ba voleur, c'est ba brigand. Je suis là pour ça. Toi par malam. Je suis là pour ça. Natigali ka. On contredit là que ça ba vérité au lieu. Natigali ka na 6 minutes. Et bimi na Bible té. Natigali na 6 minutes pamba. Na pesi papa m'assois encore 2 minutes. OK. Papa allons rappeler 2. Na si ma pé papa Jonathan Matondo 2 ne la chite. Merci maman Patricia, nous avons pas mouru comme maman Fouta. Amen papa. Tout en a Jean 10-10. Abi mouri bien qu'à côté du sapé qu'au détruit et gorgé. Voleur oiseau le bana c'est le diable. Parce que tant mouri bien qu'au bébé sapé qu'au gorgé, Abi fils de l'homme n'a qu'au détruit Misala,
Ciel, c'est la demeure de Dieu. Esaïe 66 a dit le ciel est mon trône. Ma belle est en marche. Je pense que tu as dit 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 que le ciel des chroniques de chapitre 6 à 33 dit le ciel c'est la demeure de Dieu. Le ciel c'est la demeure de Dieu. Matthieu 27 verset 50 à 53 52 bah oba koufaki bah c'est quoi d'une Christ bah on a paradis. Bon, bah, koufaki en Christ. Bah, koufaki, bah, j'ai la rédemption. Parce que c'est la rédemption éternelle. Oh, bah, koufaki en Christ, c'est koufaki en Christ. Bah, moi, tu vas koufaki avant. Hein. Christ est dans ma prière. A quoi ça bango la rédemption? Mais dans le côté. Colossiens chapitre 1, verset 14. La rédemption et la rémission du péché. A quoi ça bango la rédemption et la rémission du péché? La vie pardon péché. Il y a c'est quoi d'une bango? Les morts en Christ, bah, c'est quoi qui? Déjà. Bah c'est qui? Bazakuna déjà. Bazakuna. La verseigne. Ma ciel est en demeure de Dieu. Merci. Na paradis. Christ est en troisième ciel. Bisho ba brebis et okufa la katia Christ devant na paradis. Donc ils ont un troisième ciel de Kolazali la dernière. Troisième ciel. C'est pour cela na beta qui c'était mon frère Jonathan, je ne sais pas si c'est lui, c'est Jonathan. Donc Jonathan Matondo, il est victime de Matthieu Vendée. Verset 29, vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. D'après Colossiens chapitre 1, verset 13, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Papa, j'ai dit il t'a déjà transporté. Il t'a déjà transporté. Mais moi, comme on va, il t'a dit, on va selon la lettre. Ça, c'est la doctrine. Okay. Je suis dans la doctrine. Comment sera la doctrine? Là, je suis dans la doctrine. La doctrine, c'est Papa Jonathan.
papa Jonathan, s'il vous plaît. Pour spiritualiser le côté. Pasteur Jonathan, tous les coups sont permis dans les bras. Non, s'il vous plaît. Question, à poser la question, nous sommes transportés comment? La Bible dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres? Nous sommes transportés parce que le Père nous a délivrés de la puissance du péché. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes délivrés et nous sommes transportés dans le royaume des cieux. Là, c'est la doctrine qui me dit, c'est une vérité. Jean chapitre 1, Jean chapitre 17, verset 17. La parole de Dieu est la vérité. La parole me dit, nous sommes transportés par la délivrance. On est transporté comment? Mais c'est ça là. La lettre. Mais c'est ce que la lettre. Non. Quand tu parles de quoi? Du doctrine. Quand tu parles plutôt de la doctrine. Ouais, la personne m'a parlé de l'hypnose. Merci beaucoup. Okay. Tu parles de la doctrine. Problème déjà, voyez. Là où tu déjà correspond de nous à. Bible les a résumés selon la lettre, selon l'esprit. Que ça soit dimension, il y a doctrine. Et ça la dimension prophétique, et ça la connaissance, et ça la gnosso. Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, 6. Pas selon la lettre, mais c'est selon l'esprit. Peu importe la dimension de ton pays. Si quand le mot a au tani makamouya, dengue va transporter yo. Et cette étude biblique, si quand est-ce qu'il va transporter dans les autres bruits. Tu verras que non, tu chercheras toujours à spiritualité cette façon d'être porté ou dengue va me mettre du son animé dans l'eau là. Yesu a yé comporté de son correction, a yé qu'on l'a vu sur la masoumou. Yesu, masoumou, oye, ça yé qu'on l'a vu sur entre autres, il parle aussi de l'ignorance. L'ignorance, c'est ça qu'on comprend de la Bible selon la lettre. Parce que la lettre tue. Mais si quand on a dit, souci n'a pas les alliés, bon, mana selon la lettre, on a, boya, c'est selon l'esprit. Bon, ma comme l'un autre, boya, nyonson. Na lobi na boy à ta mon côté sauf que quand on est sur la Bible aux autres temps au soutien selon la lettre bien le lobi que non vous ne comprenez pas la plutôt vous êtes frappé vous en erreur parce que vous ne connaissez ni la lettre ni la puissance de Dieu c'est à dire il faut même que tant la écriture boy si ma temps ça va t'aider à comprendre que il y a une pensée de Dieu cachée dans l'écriture donc bien les aboui bon contredit nga atana et le mon côté voleurs, les prophètes voleurs, c'est biblique. Tout prophète voleur, c'est celui qui n'arrive pas à prêcher la vérité que Jésus nous a apportée. Cette vérité est définie dans Matthieu chapitre 13, verset 35, où Jésus a publié les choses cachées depuis la création du monde. Ndenge bofandiawa, la création du monde, Ezaïa selon la lettre, Yisusuke. Eza la création selon l'esprit. Ce qui nous l'a dit selon la lettre, Boza Bakoufi, la mise en Zambi. Et là, nous l'a dit, Eza la lettre. Il y a un moment, on a bien dit, Noboya, Bozoa, Banseignement, Oleza, na langage en Zambé, na l'a dit dans la lettre. Moi, mon souci, Eza la l'a dit dans la lettre. Pourquoi? La lettre tue. La lettre vous a tué. Et ça fait longtemps, Boza Bombo, il y a ses côtés. Il y a un souci, Eza la souci, Eza la kakandate. Puisque la lettre va tuer, la lettre va continuer à vous tuer et vous n'aurez jamais la vie éternelle. Nous allons attendre la liberté. Monsieur, c'est quoi? La terre, c'est quoi? Il faut comprendre, le débat c'est comme ça. Il y a des fois, je crois que si la révélation est la révélation.
ma pasteur n'a dit sur la plateau, ma mon mot, ma copie, ça m'a cambré ma lame. Selon Bible, n'y pasteur Jonathan, à côté de la même université, et Yesu Masi à Salaki, ma bibé, ma mère, ça va dire avant Yesu. Ma mot tout. Oh Isaac, Esaïe, Nani, Zacharie, Amos, Eli, Mini. Balogo ya mote orba ya ki kolongo na yango. Bako kite. Bon, oh ndeko. Papa macho encore na papa danye. Pona bango balobi ke Bible Esaïe interprété na quatre dimensions. Le sous-sol est la dimension prophétique, révélation, doctrine, connaissance. Connaissance. Ce qu'on peut éviter. Papa Jonathan, il a interprété selon n'importe quelle université. Mais papa peut interpréter selon la sainte écriture. Papa, Nasuki. Je crois que vous êtes nombreux à me suivre. Déjà, la rediffusion, c'est pour le dimanche, à partir de 17h. Et le jeudi prochain, nous serons là. Si je suis cité. J'espère que non, maman. Pasteur Ali Nekou quoi qu'on a là. Jeudi prochain, la plateau. Ce qui nous a mis à Zambité, papa Macho encore peut-être, la papa Daniel, peut-être aussi ça, si je peux débat en haut. C'est ma tête. C'est qu'elle est qui est en Zambé. Et c'est la bongo. Au revoir. C'est qui est en Zambé. Nazana Moussala, Nazana Saleur, Nazana Bonne Santé, Tiko. Nini et Bundé Lingaï. Vers 5h, ma terre est moloko ya ma tete. Les andales de mon fils, Jonathan Matondo. Au beaucoup fatigué pour la noter une vérité.